Située à environ 100 km au sud-est de Mumbai, dans la province du Maharashtra, la ville de Pune est un centre universitaire de plus de 2,5 millions d'habitants, soit 60% de plus que Montréal et à peine 17 fois la population de la ville de Sherbrooke. Inutile de dire que la vie y suit un rythme effréné. La ville grouille d'activités jour et nuit et la frénésie quotidienne produit une trame sonore d'autant plus impressionnante. La population doit quant à elle vivre dans cette ambiance de manière permanente. Ici, on représente vraiment le bruit et pour nous, Sherbrooke, par exemple, ça représente le silence. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je me réveillais la nuit à Sherbrooke parce que j'entendais plus rien au bout d'un moment. Tandis que ici, j'imagine que vous tous, vous vous réveillez 35 fois dans la nuit justement parce que vous entendez trop de choses. Toute cette agitation n'est donc pas sans conséquence. L'exposition prolongée au bruit pouvant entraîner une perte progressive de l'audition, mais également des problèmes de sommeil et de stress. Mais à l'échelle de l'Inde, Pune n'est encore qu'une petite ville. On ne peut se rendre pleinement compte de l'ambiance sonore qui règne que dans la capitale. Mumbai est plongé dans une cacophonie constante. Voitures, camions, klaxons et la masse incalculable de gens maintiennent un niveau sonore permanent entre 65 et 70 décibels selon les statistiques locales. L'Organisation mondiale de la santé recommande quant à elle un niveau sonore maximum de 55 décibels pour éviter les effets néfastes. Le jour, l'effervescence remplit la ville et les incitations sont claires. Mais Mumbai est considérée comme la ville la plus bruyante au monde et en pratique, ce niveau peut facilement monter à plus de 90 décibels lorsque la circulation est particulièrement intense ou lors des nombreux festivals et cérémonies de toutes sortes. Sometimes I find it irritating because what happens is this area is a quiet one. And sometimes what happens, I am singing and just one rickshaw or something goes and it makes such a noise that I get irritated. Mm-hmm. But this happens sometimes. Or now see, because and I have low vision, so my ears are more powerful. Il est assez paradoxal que l'Inde soit un endroit aussi bruyant, considérant que le silence, la relaxation et la méditation occupent une place importante dans la culture hindoue. Les Indiens entretiennent donc un rapport avec le silence et le bruit différent de celui des Occidentaux. Dans leur culture, l'équilibre entre le bruit et le silence se transpose à l'équilibre du monde. Quelque part, pour nous, c'est pas le même rapport au silence parce que le silence, c'est plus pour nous à l'intérieur de notre psyché, plus dans le sens des petites images qu'on garde dans la tête autour d'une idée de silence, de calme, de paix. Même si on peut être entouré dans un lieu hyper bruyant et on est capable quelque part de trouver notre petit amour de silence. Tandis que la première fois quand j'étais en Europe, quand j'étais au Québec aussi, pareil, c'est la même chose. C'est un silence qui nous pèse des fois. Mes étudiantes me disaient ça très souvent, que Madame, c'est effrayant le silence. If you go on and on singing, then it becomes difficult for the audience to digest. So silence or pause is very essential because what I have sung or what I have performed, you need to understand it or digest it. The entertainment is just the side effect, but the basic thing is the creation of the tranquility, the creation of the peace in the mind. And it is meant for the God. It is meant for the supernatural power, you can say. So it is for that power that you create the music. Okay. So that is the basic aim. It is not just for the entertainment. Dans cette idée d'équilibre des sons,
certains bruits revêtent une importance particulière au même titre que le silence. Le hum en particulier. Ce bruit en apparence anodin n'est pas sans signification pour l'hindouisme. Le son hum, par lequel tous les hindous entament leurs prières, serait apparu au commencement du monde. Ce simple bruit constituerait à la fois le passé, le présent et le futur de l'univers. On le retrouve partout dans l'hindouisme. La coque du dieu Vishnu, surnommée Shanka, symbolise le son cosmique Om, de même que la trompe de Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. To get the peace inside is more important. Yes. So, yeah, and this sometimes, is one of the ways to... Sometimes we are really vexed, we are really troubled by the outside noises, no doubt about it, we are human beings. But then we have to find the way out of this. And that is why I told you earlier that there is a difference between sound and noise. Yes. And even the richer sound is important. So the music gives us the richer sound, that inner voice, you can say, that inner voice it gives. And we always try to develop that inner voice. Bref, le home serait la vibration vitale à partir de laquelle le monde serait structuré et garderait son équilibre précaire. That is dha, din, din. So this is possible only because of this type of ink. This ink produces this tone. We call it as nada. Le son du nada est également très important. Le terme nada signifie son ou bruit en sanskrit. Ce son est très particulier et est censé permettre le contact avec le divin. Le concept du bruit connecteur se retrouve dans les ouvrages fondateurs de l'hindouisme, les Upanishads, dont le titre signifie littéralement « venir s'asseoir respectueusement au pied du maître pour écouter son enseignement ». Évidemment, cet équilibre essentiel de la culture hindoue peine parfois à trouver une place dans l'effervescence bruyante de la vie moderne. Trouver et maintenir cet équilibre fragile est devenu un défi pour les Indiens, en particulier ceux qui vivent et travaillent en ville. Tous tentent d'atteindre l'équilibre grâce à des moyens les plus variés. Dans la culture hindoue, un moyen ancestral très répandu de trouver l'équilibre est la pratique de la méditation. Selon les textes sacrés, le meilleur moment pour la méditation est Prabhat, soit le moment où apparaissent les premières lueurs précédant l'aube. C'est principalement à ce moment que les gens se recueillent dans les jardins et les parcs, ou encore près des cours d'eau, avant que la ville ne se réveille. Tous tentent d'atteindre l'équilibre. Une manière très simple d'y arriver est de simplement sortir de la ville ou de s'isoler du bruit tant que possible. I'm coming walking for 4 kilometers from my place, Samrajya. Yes, I was working with Bank of India. Yes, now retired for breathing purpose. Uh-huh. Yes, uh-huh. Breathing, fast breathing. Uh-huh. I'm doing 25 minutes every day. Anulom Milom Kapal Bharati. Aisa, that's called Anulom Milom. आम्ही कुठं पण जातो शाळेत.
Basically, we are from 5:30 to 7, so there is not much voice. D'autres larguent plutôt du lest pour retrouver l'équilibre d'une manière. Ou d'une autre. Certains trouvent également une paix semblable dans la musique traditionnelle, dont les origines et les fondements spirituels sont également très anciens. But what I feel is that Indian music is a type of meditation. Every time we match the swar with the tambura, and this process is a form of meditation for me. Because if I have to do this process, then I need a lot of concentration. And when you do a lot of concentration, actually it becomes a sort of meditation. And if I don't sing for a day, then I feel very restless. I feel very restless, or I feel something missing, and so I sit to sing. We feel that peace, we feel that different feeling, total different feeling. Out of the world, you can say, out of the world feeling, yes, that is the proper word. Sometimes it happens that we just get lost somewhere in that trance, and it happens that way. Mais évidemment, tous ne peuvent faire de méditation et encore moins de musique, pour diverses raisons. Ils doivent donc trouver d'autres échappatoires. तुम्ही काय करता शांतता मिळवण्यासाठी? काय नाही मॅडम, मी डायरेक्ट सांगतो तुम्हाला. आता सांगू का? आता पण मी ऑलरेडी ड्रिंक करून आलो आहे. मी डायरेक्ट ड्रिंक करतो, माझे मी शांतता मी डिमांड असतो. माझे टायमिंग संपत घरी जातो. Malgré tout, d'autres n'y arrivent tout simplement pas. वाटतं पण आता त्याला काय विलाज तुम्ही काय असं वाटतं मग तुम्ही काय काय कुठे जाता करायला काय करू शकत. Après, c'est une question de comment on définit l'équilibre. Et puis, chacun trouve son équilibre selon ce qu'il recherche dans sa vie, je pense. Je me demande des fois si on sait exister sans le bruit. Certains trouvent bel et bien l'équilibre, d'autres ne peuvent échapper au rythme et à la cacophonie de la vie. Toutefois, le bruit fait maintenant partie de la vie des citadins de Pune et de l'Inde, et il est là pour rester, qu'on le veuille ou non. Il ne déplaît pas à tous, d'ailleurs. Alors peut-être ne faut-il pas fuir, mais plutôt ouvrir les yeux. Peut-être qu'il ne faut donc pas trouver l'équilibre malgré le bruit, mais trouver l'équilibre avec le bruit. L'équilibre du monde ne tient qu'à un bruit.